Bonjour et bienvenue dans le pied de bois notre pays. Pied de bois notre pays, ben nous savons un pied de bois justement aujourd'hui. Voilà comme Zotiwa. Zotiwa le banc de fouille aussi là. Voilà. Là nous l'est à côté un pied tamarin. Alors on a le pied tamarin. Ça c'est le tamarin pays. Et on en a le tamarin de l'Inde. Tamarin de l'Inde, de toute façon on aura l'occasion de ben, faire un petit affaire dessus. Ça c'est un jeune pied, hein. Un jeune pied adulte, nous va dire. Voilà, nous voit son tronc. Son tronc, il est quand même, il est encore jeune. Hein. Mais quand on nous dit jeune, parce que ça c'est un pied de bois, ben, il peut vivre plusieurs centaines d'années. Hein. Nous peut retrouver la Réunion, ben, bonne tronc, qu'elle est à l'origine même ben, de premier peuplement la Réunion. Et là, nous l'est à côté, un jeune pied. Mais un jeune pied très fourni, enfoui, comme ce tu vois là. Bon pétamarin dessus. Alors le tamarin, il ne faut pas confondre avec le tamarin des hauts. Hein. Ça c'est le tamarin pays qui pousse plus dans les bas. Lui, il y a besoin d'une température assez chaude pour lui pousser. Il ne supporte pas donc la fraye, hein. Le gel, tout ça là, non. Que nous peut dire encore sur le tamarin, il en a son fruit. Qu'il peut faire, il fait le sucré avec. Hein. Le sucré, il y en a aussi en cuisine, il utilise dans le masalé, par exemple un masalé cabri, par exemple, il fait un jus de tamarin. Il met dedans, il fait sorbet aussi, sorbet tamarin, il fait glace. Il fait des fruits et des boissons avec. Et puis le tamarin, donc comme on dit, il n'est pas endémique la Réunion, il sort en Afrique de l'Est. Donc il a été importé justement pour son bon fruit. Quoi. Voilà, ça nous peut dire dessus le tamarin pays. Et pas confondre avec le tamarin des hauts et encore moins avec le tamarin de l'Inde. Alors que le tamarin de l'Inde, lui, c'est pas un tamarin. Nous aurons l'occasion d'en venir dessus. Tamarin de l'Inde, c'est la famille des Mimosaceae, c'est-à-dire Mimosa. Par rapport au fruit de ce tamarin-là, donc là, nous les devant un fruit encore, il n'est pas à maturité, il n'est pas encore mûr. Hein. Là, le coq dessus, il ne casse pas pour l'instant. Donc, quand on fait un rogail, on utilise tout ça là, tout. Ensuite, quand il est mûr, dessus, le coq n'a tendance sec. Et on casse à lui et puis on trouve le fruit dedans. Là, nous pouvons voir combien déjà on en a dedans. Il y en a 1, 2, 3 et 4. 4 fruits, 4 grains. Donc voilà, ça nous peut dire dessus notre pied de bois aujourd'hui. Le tamarin pays. À bientôt pour un autre pied de bois de 600 le TV. Nous retrouvons.